Salut tout le monde, c'est Benji Glitcher. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Aujourd'hui on se retrouve pour une exclue de merge car tout car. Cette fois-ci on va vous montrer tout simplement l'after patch de ce merge. Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Ce glitch a été trouvé par Glitchman Online et moi-même. Sur ce, c'est parti. Donc tout d'abord vous devrez vous rendre à session sur invitation avec comme mode de visée assisté partiel. Ensuite vous devrez vous rendre au LS Carmit avec votre ami et vous devrez tout simplement commander tous les deux votre véhicule. Donc vous allez devoir commander le véhicule que vous voulez merge. Donc ensuite vous devrez posséder un centre d'opération mobile avec un module 3 dépôt de véhicules personnels. Très important à la team sinon ça ne va pas fonctionner. Et dans votre centre d'opération mobile vous allez y mettre tout simplement le véhicule que vous voulez transférer les modages. Donc le véhicule qui n'est pas modé. Et à l'intérieur du LS Carmit vous commandez le véhicule qui est déjà modé. Que vous voulez transférer le modage tout simplement sur le véhicule qui se trouve à l'intérieur de votre centre d'opération mobile. Ensuite, une fois que vous avez tout ceci, on va passer à la caméra de notre ami. Donc notre ami va faire pavé tactile, salon auto du LS et lance la course sprint. À partir de ce moment-là, nous, on va accepter sa course sprint. Et là, il va devoir faire une petite manipulation. Donc il va devoir rejoindre Anahuac 1 sur PS5 et Anahuac 2 sur PS4. Pour les joueurs Xbox, vous allez devoir avoir un troisième joueur, malheureusement, qui se mettra en travail de titan. Donc là il rejoint Anahuac 1 ou le 2, donc Anahuac 1 sur PS5 ou Anahuac 2 sur PS4. Et là il va devoir accepter les deux alertes. Donc une fois qu'il a accepté les deux alertes, il reste sur ce message tout au long de la manipulation. Donc je vous le dirai quand il va devoir accepter ce dernier message. Donc là on repasse à notre caméra et nous on sera bugué dans un écran noir à l'infini. Et donc nous à ce moment là on va aussi rejoindre Anahuac 1 sur PS5 ou Anahuac 2 sur PS4. Donc là on va tout simplement le rejoindre, on aura la récupération et à ce moment là nous on va tout accepter. Donc on appuie sur X sur tous les messages. Donc là j'ai tout accepté les messages, voilà comme ceci. Et ensuite ça va nous faire descendre des airs. À partir de ce moment-là, on va tout simplement faire pavé tactile, deux fois flèche du haut et on se suicide. Une fois ceci fait, on va respawn et là, on va devoir tout simplement commander le véhicule qu'on souhaite merge. Donc voilà, là on fait pavé tactile, véhicule et on renvoie ce véhicule. Là, on va faire rond et ensuite on va dans véhicule imposant, centre d'opération mobile et on fait demander le véhicule personnel. À partir de ce moment là on fait option et on patiente que le véhicule se livre. Et dès qu'il se livre on va tout simplement demander à notre ami qu'il se débug. Donc voilà, mon véhicule s'est bel et bien livré. Maintenant on va passer à la caméra de mon ami. Donc mon ami lui va devoir accepter le message et là ça va tout simplement lui faire clignoter. Ensuite il aura un écran noir et là ça va tout simplement lancer la course sprint. Et à partir de ce moment là vous avez tout simplement terminé la manipulation du merge car to car, donc de l'after patch. Donc là ça lui lance la course sprint et nous je vais vous montrer notre gameplay. Donc là ça nous lance également la course, donc mon véhicule n'est pas modé comme vous l'avez vu en fond. Et là ça nous fait passer sous la map, donc ça nous lance la course sprint. Et une fois que le timer sera arrivé à go, on va mourir. Et là dès qu'on va respawn, notre véhicule sera bel et bien merge grâce au véhicule du début. Donc voilà la team, c'est bel et bien l'after patch du glitch de merge car to car, full la team. Donc là pour le sauvegarder, vous avez plus qu'à le rentrer à l'intérieur de votre sorte d'opération mobile. Donc avant tout il faut aussi que votre ami quitte la session. Donc là je vais demander mon centre d'opération mobile et vous allez voir que les modages seront bel et bien gardés sur ce véhicule. Donc voilà la team, c'est vraiment l'after patch le plus simple la team, donc profitez-en un maximum avant qu'il soit de nouveau patch. Sur ce la team, je vous tiens au courant si j'ai de nouvelles exclus qui arrivent. C'était Benji Glitcher et ciao tout le monde, bye bye.